Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, 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 dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Seigneur Jésus nous a fait de mes péchés. Alléluia. Acclame pour Jésus. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. On vous a déjà dit qu'aujourd'hui, c'est culte des merveilles de l'Éternel. Voilà. Quand vous voyez ce frère devant, vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui va me dire ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Mais Jésus-Christ a impacté sa vie. Alléluia! Alléluia! Jésus a décidé de déchirer le voile du célibat dans sa vie. Alléluia! Alléluia! Il a prié, il a jeûné, il a prié, il a jeûné, il a prié jusqu'à ce qu'il a maigri. Il dit Seigneur, Seigneur jusqu'à quand? Seigneur jusqu'à quand? Et le Seigneur dit c'est maintenant. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur est allé localiser l'une de ses filles. Ah. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur allait localiser très loin, très très loin, l'une de sa fille qu'il est venu placer dans son cœur. Amen. Et il m'a appelé évangéliste. Vraiment, le Seigneur veut mes soucis. Le Seigneur m'a exaucé. Ah, j'ai trouvé une sœur. Ah, il me la faut. Ah, il me la faut. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr? Il me dit oui. Le Seigneur l'a convaincu. Je dis d'accord. La fille là, elle est où? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est venue même? Est-ce qu'elle est venue? Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous, dis-nous, oh, est-ce qu'elle est ici même? Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas. Elle est où? La mer. Oh, dis-nous, 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 dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, 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 dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je la trouve pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Amen. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Mais je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a fait des choses. Alléluia.
Le Seigneur Jésus nous a fait de merveilles choses. Alléluia. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait des merveilles. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, acclame pour Jésus. Voilà. Voici les nouveaux candidats que le Seigneur à localiser. Alléluia. Et qu'il a décidé de mettre dans le processus du mariage. Le frère David avec Rebecca la chante. Alléluia. C'est une grâce que le Seigneur fait à ses enfants. Comme la parole dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Eh bien, le Seigneur a décidé de faire cette grâce à ce frère et cette sœur pour les déloger du joug du célibat, pour les amener dans la grâce du mariage. Et c'est un projet très important dans la vie d'un homme et d'une femme. Alléluia. Si tu viens sur la terre, c'est une étape très importante dans la vie de tout être humain. Et la meilleure façon de le faire, c'est de le faire dans le Seigneur. C'est de le faire dans le Seigneur. Heureux l'homme qui trouve sa femme dans le Seigneur. Pareillement heureuse la femme qui trouve son homme dans le Seigneur. Donc voilà la nouvelle, bonne nouvelle que nous aimerons vous présenter. Amen. Donc, ils sont passés par toutes les étapes pour venir à cette étape. Donc, l'étape, c'est la première étape officielle. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, les deux sont reconnus officiellement fiancés. Donc, ça va leur permettre de poursuivre les démarches pour le mariage civil, la dot et la consécration qui est le grand jour. Donc, ce que tu vas faire, tu vas te tenir sur tes pieds. Tu vas leur recommander entre les mains du Seigneur. Seigneur, veille sur eux, tel que tu as commencé avec eux. Seigneur, poursuis la marche avec eux pour que leur mariage glorifie ton Saint-Nom. Pour que jamais l'ennemi ne trouve aucune porte d'accès à ce projet. Prie, prie, prie pour eux. Allez sur vos genoux. Seigneur Jésus, notre Dieu, voici devant toi tes enfants que tu as menés à cette étape officielle du processus du mariage. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu continues de les maintenir dans ta volonté. Seigneur, les autres étapes qui restent, nous prions, Seigneur Jésus, oui, que ce soit toi qui continues
d'être au-devant de toutes choses. Père, nous prions, Seigneur Jésus, que tout projet de l'ennemi, Seigneur, qui attend dans quelques étapes qui restent, nous prions que tous ces projets soient anéantis au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous les recommandons, nous les continuons de les recommander en tes mains. Continue, Seigneur Jésus, de les conduire. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez pour Jésus. Alléluia. Voilà, vous connaissez, vous savez comment ça se passe. Le projet de mariage, ça demande beaucoup de dépenses. Donc, tout ce que le Seigneur vous met à cœur pour les soutenir, les bénir, n'hésitez pas à le faire. Et celui qui est chargé de collectionner ses dons, c'est l'apôtre Pierre. Donc, tout ce que le Seigneur vous met à cœur, si le Seigneur vous met à cœur que la tenue que les deux vont porter le jour de leur consécration, que c'est toi qui vas les prendre ça en charge, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Et nous passons aussi par là pour dire que le projet de mariage est accessible à tous. Mais nous refusons que les choses se passent en cachette pour éviter l'impudicité dans l'assemblée des saints. Si le Seigneur t'a convaincu d'une sœur, viens simplement voir les serviteurs. Mais quand tu vas voir directement la sœur, il faut savoir que c'est un projet annulé. Donc c'est très très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous pouvez disposer.